Bonjour tout le Bonjour à monde. tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et maintenant on va passer une petite heure en conviabilité totale. Voilà. Tu vas bien? Oui. T'es prêt pour être Oui. bon D'attaque. d'attaque. Bon, vous avez vu un générique très intéressant. On vous dira qui c'est notre invité dans un petit moment, mais pour le moment, on reste encore un petit peu dans l'énigme totale. Alors, nous allons commencer les. On va commencer le live ce soir par un hommage. Voilà, une étoile nous a quittés en fin de semaine et je voulais faire un hommage à Lewis Jack qui est parti se mettre à côté des légendaires musiciens comme Jim Vincent, Johnny Hallyday, Dick Rivers, donc il jouait souvent. Alors, notre étoile, il était. Une personne avec un grain de voix qu'on n'oubliera jamais. Il a marqué rock'n'roll à la française. Et on continuera à écouter tous ces rythmes endiablés qu'il nous a fait pendant toute sa vie, toute sa carrière. Voilà, son gendre, vous le connaissez, c'est Marco Balan. Voilà. Et je voudrais vous dire une petite anecdote de Marco qui m'a dit en fin de semaine. Voilà, quand Marco a rencontré son beau-père, il n'avait aucune trace vraiment de musique de lui. Quelques vidéos d'amateurs, sans plus. Faites avec son groupe à l'époque, les Silver Jack, qui faisait des reprises des années 60. Donc Marco lui a promis à Noël qu'il lui ferait un CD, un album de composition musicale et qu'il pourrait le léguer plus tard, dans les années à venir, à ses enfants ou à ses petits-enfants et pour avoir quelque chose de beau. Derrière ma voix, vous avez un titre qu'il a fait avec Marco de l'album Mon Amérique à moi, qui a été créé en 2012. Voilà, mais je vais vous expliquer un petit peu cet album de ce grand artiste. Alors, Marco lui a promis ce Noël-là qu'il lui ferait un vinyle. Donc, je vais vous dire. Donc, du coup, il a dit à Jack, voilà, tu vas écrire les textes, les paroles de toutes les chansons. Et moi, je vais m'occuper de la musique. Après, il a pu aller dans un studio avec lui pour faire tous les la mise en place de l'album. Il a fait intervenir des meilleurs musiciens qu'il avait autour de lui. Ils ont pu avoir un studio gratuitement où il a pu faire toutes les prises de son, les films de son clip Mon Amérique à moi, qu'on vous mettra aussi tout à l'heure. Voilà. Alors, Jack, c'était une personne avec un grand humour, même s'il avait, à cause d'une tumeur 25 ans plus tôt, le côté paralysé. Et je suis un petit peu émue, je suis désolée. Et il a continué à conduire, à chanter, à être sur scène jusqu'à peu de temps. Et vraiment, c'est quelqu'un avec une grande élégance, toujours un grand sourire. Violente, sa femme. Être fier de ce grand homme et ses jumelles, Karine, la femme de Marco, ou Céline, sa jumelle à Karine. Voilà. Il a pu faire beaucoup de choses en musique. Il a fait beaucoup de festivals avec Marco. Je sais qu'ils ont été sur Lille, ainsi de suite. J'ai fait des petites recherches. Et vraiment, voilà. Je voulais dire à Jack que. On avait une grande pensée pour lui. Maintenant, tu es à côté de Johnny Hallyday, Dick Rivers. Quand je t'ai écouté, j'ai fermé les yeux, je dis waouh, qu'est-ce qu'il a, la voix qu'il porte, c'est magnifique. Je ne connaissais pas au départ. Je suis désolée. Maintenant, je vais essayer d'être un peu plus à la recherche de cet artiste. T'es parti en nous laissant des beaux tests. Je garde au fond de moi. Ça, c'est un titre à toi. Avec ta voix. Mon Amérique à moi, tu vas nous faire voyager maintenant pendant plusieurs décennies avec toutes ces belles chansons. Tu es sur plusieurs liens, Spotify, autres. Donc, j'ai laissé après sur les tutoriels que je mettrai sur Facebook tous les liens avec quelques photos. Et
je dis encore à Marco, à Karine que j'adore, toutes mes condoléances. Voilà. Toutes mes condoléances aussi. Merci à toi. Voilà. Et maintenant, on va vous laisser avec un petit clip, avec le clip que Marco a fait aussi. Donc, il a produit Mon Amérique à moi. Voilà. Bonne visite. À tout de suite. À tout de suite. Des montagnes rocheuses au lac Salé, de San Diego à Santa Fe, du Montana à Monument de Valais, ce pays immense, ces contrées sauvages non domestiquées. Casino flottant sur le Mississippi, musique à jet, musique country, Rio Bravo, Rio Grande, la frontière ouverte sur la liberté. Je sais, je ne peux plus rêver. Je sais, ce pays a bien changé. Mon Amérique à moi, j'en ai rêvé quand j'étais gosse dans mon ciné de quartier. Mon Amérique à moi n'existe plus, tous les monstres sacrés ont disparu. Bord du Mexique, empoisonné par ce pétrole tant vénéré, les tours jumelles désintégrées, ce ne sont pas les Indiens qui les ont décimés. Où est le peuple du grand Geronimo, déporté dans des wagons à bestiaux? New Orleans a les pieds dans l'eau, c'est toujours les Blackos qui couvrent le dos. Je sais, je ne peux plus rêver. Je sais, ce pays a bien changé. Mon Amérique à moi, j'en ai rêvé quand j'étais gosse dans mon ciné de quartier. Mon Amérique à moi n'existe plus, tous les monstres sacrés ont disparu. Dans mon ciné de quartier, mon Amérique à moi n'existe plus, tous les monstres sacrés ont disparu.
Voilà, comme vous voyez, c'était un grand artiste qui restera dans notre cœur. Voilà, une étoile. Bon. Alors, nous maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous n'allons pas rester... On y reviendra quand même. En fin d'émission, on va faire un... On va jouer un petit truc en plus. Voilà. En faisant des recherches, j'ai vu qu'il avait chanté une chanson. Donc, on l'a appris cet après-midi, tous les deux. Je savais un petit peu les notes et on a fini de l'apprendre tous les deux. Et ça sera pour Jack. Voilà. Aussi, bonsoir à tout le monde, parce qu'on n'a pas dit bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai vu qu'il y avait Véronique. Parce qu'on a dit qu'il y avait Véronique, voilà. Voilà, Ludo. Véronique, c'est super ce que tu as fait avec Isabelle et Dorothée. Ça me rappelait des bons souvenirs, hein, de nos débuts avec Marie-Liliane. au départ, c'est ce qu'on faisait sur Messenger ou autre. Sur votre vie, il y avait déjà un trio. Ouais, la Teams Girls. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, il faut vous donner un nom, du coup. Oui, maintenant, il faut vous trouver un nom. Mais c'est un jour, moi aussi, j'aimerais bien le faire avec vous. Hein. Voilà. Et... oui. Du coup, hier, on était en... Paul Lasset avait fait un petit live, comme il a fait depuis le début de l'année. C'est le dimanche. Voilà, le dimanche, il fait... Autour de midi et demi, c'est ça? Voilà. Il fait un live de quelques... Ouais, une vingtaine de minutes. Voilà, sur une chanson, sur un backing track. Voilà, puis après, explication de notes, etc. Et avec des riffs ou quoi. Mmh. Et dimanche prochain, vous avez sûrement dû le voir sur sa page. Dimanche 17. Il fait un marathon. Le marathon de Paul Lasset. Ça dure de 9h du matin, je crois, jusqu'à, il a dit 19h, un truc comme ça. Oui, un fil rouge. Donc, il aura des petits moments d'arrêt parce qu'il faudra qu'il recharge sa batterie. Et aussi son coco, pas moi, mais son coco, voilà. Donc du coup, il aura le petit moment de répit. Il a dit qu'il allait faire du reggae. Il a dit qu'il allait faire des pauses aussi. Il allait faire du rock. Non, du chromatique, un peu de tout. Voilà. Des phrasés, voilà, un peu de tout. Comme il y a le chat, à mon avis, il va sûrement répondre aux questions qu'il y aura. Donc si vous voulez, dimanche, dans la journée, bah, vous allez sur sa page YouTube et puis bah, il sera là. N'importe comment, il y aura un lien sur sa page. Je le mettrai aussi sur la nôtre. Comme ça, vous pourrez, si vous cherchez, vous ne trouvez pas. On le mettra aussi sur notre page. Ouais, d'ailleurs. Voilà. Pour ce qui est de son affiche, pour le streaming sans fin. Voilà. De Paul Lasset qui est dimanche prochain. Clic. Voilà. Voilà. Une petite parenthèse. Est-ce que tu aimes les spaghettis? Oui. Moi, je dirais... Attends, parce que toi, tu me disais... On a fait un truc, alors on s'est amusé sur une bande son que notre invité nous a envoyé. Et du coup, on a fait, toi tu dis que c'est un western spaghetti, moi je dis que c'est un chef d'œuvre ce qu'on a fait. Ouais, mais étant sicilienne, moi j'adore les pâtes et j'ai trouvé que c'était un western spaghetti. Donc notre invité, il va rigoler. Nous, en tous les cas, nous, on s'est marré. Ça ne dure pas longtemps, mais de quoi faire. Voilà. Bah, bon visionnage et à tout de suite. Amusez-vous bien. Il y a bien longtemps, au fin fond des contrées sauvages de l'Ouest, se promenait un cavalier seul, armé de son harmonica. Tout à coup, au détour d'un rocher, un bandito surgit. Oh, gringo! Donnez-moi ton fric! Et sors ton gun si t'es un homme! Hypnotisé par le son, le bandito n'avait pas vu que
Sous la cape sortait le bout de son canon et... Allez, bandido, réveille-toi. Ah, on oui a encore des choses à faire. Non, mais dis donc, faut toujours que j'ai le barbouka devant moi, là. Voilà. Merci, Uli, du coup. Merci, Uli, pour ce que tu viens de nous faire. On a bien rigolé, donc vous avez compris, si on dit Uli, on dit Uli de rue. Voilà. Voilà, c'est notre invité. Donc, nous avons fait aussi une petite interview avec des montages photos ou autres. Vous allez maintenant en profiter et vous allez connaître un peu plus ce grand artiste pour moi, parce que déjà avec le peu de connaissances en peu de temps, en 3 ans, vraiment, ouais. Bravo, 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 bravo. Bon, si vous voulez aller à Pau, peut-être c'est pour ça qu'il a du pot, hein. C'est un vénard ou quoi? Oui, il est vénard aussi. Vous allez comprendre pourquoi, hein. Bon, on ne parlera pas des mentors, mais bon. Uli, on t'enverra la vidéo si tu veux. Oui. Comme ça, tu l'auras dans ton coffre à souvenirs. Voilà. À toi, Uli. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, pour le live 39, nous avons l'harmonie 6, Uli de rue. Alors, première question, pourquoi l'harmonica comme instrument? Alors, en fait, c'est pas mon premier instrument, l'harmonica. Donc, j'ai commencé assez jeune, vers 7-8 ans, à faire du piano. Et puis, j'ai arrêté jusqu'à 12 ans. J'ai repris le piano après... Voilà, c'est une tante qui m'a initié pour la petite histoire au piano au départ. Puis après ça, j'ai pris des cours. Et puis j'avais besoin d'un instrument que je puisse balader. Le piano, c'était un peu compliqué. Du coup, je suis passé à la guitare. Et j'ai passé toute mon adolescence à apprendre la guitare en autodidacte. Hein. Et donc là, il y a 3 ans... je partais faire de la voile et on était beaucoup sur un petit bateau. On partait 2 semaines en mer et on ne pouvait pas prendre grand-chose avec nous. Et donc, je ne pouvais pas prendre ma guitare et on a des heures à tuer sur un voilier. Donc, je me tournais les pouces et je lisais, mais la musique me manquait. Et on est arrivé à Berméo. Et à Berméo, on va chercher de la viande et dans le fond de la boucherie, j'entends un mec qui joue à l'harmonica. Je fais « Ah, ça !» Ça, c'est un instrument intéressant que je n'ai jamais été explorer. Et donc, je rentre sur le bateau, je fouille un peu sur mon téléphone, je tombe sur Little Walter Sadowers,
Et alors là, j'ai une révélation. J'entends le son, je fais waouh, putain, ce son, c'est énorme. Et donc le lendemain, je retourne voir le boucher et je lui dis c'est vous qui jouiez à l'harmonica. Alors il dit ouais, il était tout content que quelqu'un s'intéresse à son harmonica. Et je dis ouais, il n'y a pas moyen d'en acheter un ici à Bermeo. Ah, il dit ah non, il n'y a pas de magasin à Bermeo, il faut aller à Guernica. C'était à 25 minutes en bus. Je prends le bus, on part à Guernica. Et c'est là que j'ai acheté mon premier harmonica. Après, voilà, c'était un harmonica en sol. J'avais vu qu'il y avait différentes tonalités et les plus basses me parlaient un petit peu plus. J'aimais bien ça. Et donc, j'ai pris un harmonica en sol pour commencer. Et donc, je me suis complètement planté parce que c'est vraiment le plus difficile pour commencer. Et donc, je suis rentré et je suis tombé sur les vidéos de Benjamin, harmonica vaudeville. Et j'ai essayé de faire mes premières altérations avec cet harmonica en sol. Et c'était vraiment hyper difficile. J'étais dans les parcs, je me souviens à Bermeo, avec des petits vieux qui faisaient le tour du parc et qui repassaient devant moi, mais j'étais en train de faire mes premières altérations. Et puis, je suis rentré au bateau et j'ai envoyé un message à Benjamin en lui demandant pourquoi ça ne marchait pas avec cet harmonica que j'avais acheté. Et puis, il m'a dit, mais commence peut-être par acheter un harmonica en do. Rebelote, je prends le bus, je vais à Guernica et j'ai ramené mon premier Marine Bend en do. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, je me suis entraîné avec les vidéos de Benjamin pendant les deux semaines. Et puis en rentrant, je me suis dit, tiens, là, il y a vraiment un instrument qui me parle. J'ai envie de commencer à essayer de me trouver un professeur. Et c'était très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs d'harmonica. Et donc, j'ai amené mon fils à une asso musicale. Et puis là, je demande s'ils connaissent un professeur d'harmonica. Et puis on me dit non, mais la femme là-bas, elle connaît un harmoniciste. Donc, de bouche à oreille, j'arrive chez Gladys. Gladys Amoros, qui est une grande chanteuse blues de la scène française. Just a woman told my mother before I was born. Another girl child coming. She's gonna be girl of gun. Gonna make pretty man. Que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas le blues, mais vraiment rien du tout. Et quand je lui en parle, elle me dit « Oui, je connais un harmoniciste, mais voilà, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand musicien. C'est Nick Owen Toussaint. » Et elle me dit que c'est quand même quelqu'un qui c'est un des meilleurs joueurs du monde. Elle me dit « Voilà. » « I used to ramble, and I used to roam. » Oh, since I met this baby of mine, I don't want another man I tell. No, no, no. Soothe me, baby, soothe me. Soothe me with your kindness. All you know your powerful loving is soothing to me. One more. Soothe me, baby, soothe me. Déranger un monsieur comme ça, moi, petit harmoniciste qui commence. Elle dit non, mais tu perds rien essayer, c'est un mec humble, il faut pas croire. T'as qu'à venir à une jam, il fait une jam jeudi prochain. Et ça a commencé comme ça. Donc je suis arrivé à la jam, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé à l'entracte lui demander s'il donnait des cours et il m'a demandé si j'étais vraiment motivé. J'ai dit bah ouais. Il m'a filé son numéro. Et je l'ai appelé le lendemain, il n'a pas décroché. Voilà, ça a commencé comme ça.
Peut-être qu'il m'a filé son numéro par politesse. J'ai réessayé quelques fois et je crois avoir appelé 4 ou 5 fois sans qu'il décroche. Et puis j'ai laissé passer 2, 3 semaines. Et je me suis dit, c'est trop con, il t'a filé son numéro. Il faut... Entre-temps, j'avais été voir ses vidéos parce que je ne connaissais pas et j'ai vu que c'était un monstre. Et je me suis dit, wow, je veux vraiment ce mec comme prof, quoi. Et donc 3 semaines après, ben, j'ai réessayé. Et là, il a décroché. Il m'a dit, ah Oli, tu fais bien de m'appeler. Écoute, t'es dispo demain? Je dis ouais. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et donc je me suis retrouvé chez lui à la maison et on a commencé à bosser ensemble. Après un mois, il m'a proposé de venir jouer au jam. Et c'est vrai que ça a été une super expérience. T'as des projets de scène et tu fais partie d'un groupe ou J'ai pas eu de groupe là, donc ça fait 3 ans que je joue, j'ai pas eu de groupe, mais par contre, moi, mon école, c'est les jams, c'est la scène ouverte, c'est jouer avec des petits copains, des copains à gauche, à droite, mais sans vraie formation musicale, parce que bah, j'ai pas envie non plus de rentrer dans une formation avec un niveau débutant, mais ça, c'est personnel, j'ai envie d'amener quelque chose dans une formation quand je rentre à un endroit, donc je me suis dit, bon, laisse-toi le temps, ça va mûrir Et voilà un petit peu mes débuts à l'armo. Et avec quel harmonica tu joues du coup? Le tout premier que j'ai acheté, sur lequel je me suis planté, c'était celui-là. Et donc ça, c'est un blues harp, c'est ça? Ou blues master, je ne sais plus. J'arrive même plus à lire. Blues harp, voilà. Et vraiment très difficile à jouer. Ensuite, je suis passé sur le Marine Band en C. Voilà, ça c'était le classique. Bon, il est bien, mais je trouve qu'il est mal fini. Il coupe au niveau des angles. Donc, je m'entaillais les lèvres parce que quand je me mets dans quelque chose, je m'y mets à fond en général. Et donc, je bossais pendant 4-5 heures par jour. J'avais les lèvres explosées, les commissures des lèvres complètement découpées. Et donc, très vite, je suis passé sur l'armo que Nico utilisait, qui est le Special 20. Voilà. Et après, j'ai découvert les crossovers qui sont excellents. Je dirais que si, allez, au niveau sonore, c'est le Spécial 20 qui me plaît le plus, mais au niveau fluidité, c'est le crossover. Ça, c'est vraiment, voilà. Quand j'ai des trucs un peu techniques à faire ou que j'ai envie de me lancer dans quelque chose d'un petit peu technique, je vais jouer sur crossover. Mais par contre, pour le son, je préfère le Spécial 20. J'ai mon oreille qui s'est habituée à ce son-là. C'est le son de mon mentor. Voilà. Alors, tu parles de Special 20, tout ça. Est-ce que tu customises tes harmonicas en réglage sur les hanches ou autre? Tu peux nous expliquer? Et comment tu procèdes? Je les ai laissés tels quels jusqu'à il n'y a pas très très longtemps où j'ai acheté des cahiers de l'harmonica de Jérôme Peyrelevade sur les réglages de l'harmonica. Et donc là, j'ai réouvert tous mes harmonicas pour les régler. Mais voilà, ma première expérience de réglage a été assez désastreuse. Du coup, j'ai pas osé après pendant 2 ans parce que j'ai bousillé le seul et unique harmonica que Nico Wintoussin m'a offert pour Noël au début de mes cours. Et j'étais tellement frustré d'avoir bousillé cet harmonica. Il avait une lame qui coinçait un peu et je l'ai décollé un peu trop. Et donc, j'ai plus osé réouvrir mes harmonicas après. Et grâce au cahier de Jérôme, ben, j'ai réussi à réparer cet harmonica que j'avais gardé sous le coude. Mais voilà. J'ai pas de plan fixe. Pour l'instant, je m'amuse énormément tout seul chez moi avec mes pédales de looper, la guitare, mon piano. Mais très très clairement, il y a une envie de scène, de faire de la scène et de partager ça avec un groupe. Pour rien spoiler, je suis en train de rentrer dans une formation là. Donc, en fait, je suis dans une phase de tournant où j'ai dit à Nico que j'arrêtais les cours avec lui parce que j'avais appris ce qu'il fallait pour continuer mon chemin tout seul. Maintenant, mon énergie, là, je vais la mettre dans un groupe et dans le travail avec d'autres personnes. Et donc, j'ai des potes là qui m'ont invité à rejoindre leur formation. Et donc, ça, c'est voilà. Avec le Covid, on a fait que 2 répètes, donc c'est vraiment le tout début. Et donc, Problème. voilà, un petit peu ce qui se profile pour l'avenir.
Donc, ce qui se profile, ouais, c'est des concerts, très clairement. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire de la scène. Les jams, c'est l'avant-goût, c'est l'improvisation, c'est l'école. Mais après, c'est de concrétiser quelque chose avec d'autres musiciens et de faire quelque chose de bien. Ouais, ça, c'est le projet. Ton matos, c'est quoi? Depuis un an, je fais un gros travail sur le son, en testant 10 000 amplis, en testant 10 000 micros. Je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai remarqué que s'il n'y avait pas que l'harmonica finalement qui créait ton son, c'était que c'est vraiment l'alchimie entre le micro et l'ampli. Et voilà, j'ai la chance d'avoir un super magasin. On peut leur faire un peu de pub. D'ailleurs, c'est Wolf Music à Pau qui nous permet d'essayer le matériel. Et donc, j'ai passé énormément de temps chez eux à essayer des amplis, à essayer des micros et à tester différentes combinaisons. J'ai une idée bien précise de ce que je cherche comme son. Et donc, j'ai trouvé mon ampli enfin après un an et demi de recherche. Et en fait, c'est exactement le même que mon boss Nico Wayne. J'ai trouvé à Bordeaux, c'est un Music Man un 65 410. Voilà, c'est 4 HP, c'est un gros ampli de scène, mais finalement, c'est celui qui me donne le son auquel j'étais habitué, peut-être aussi, en jouant avec lui et que je cherchais intuitivement. Voilà. Par contre, j'ai des micros différents, j'ai ma bouche d'harmoniciste qui crée aussi mon son, donc on n'aura jamais les mêmes sons, c'est pas ça que je cherche. Mais par contre, j'ai trouvé quelque chose il n'y a pas longtemps qui me convenait. Avant ça, je jouais beaucoup sur un petit Orange Crush. Qui a un super son aussi. Voilà, j'ai fait plein d'essais. J'aimais bien, peut-être que c'est mon côté chercheur un peu, j'aime bien aller creuser, essayer de créer quelque chose. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de créer un son en choisissant l'ampli, en choisissant le micro. C'est peut-être ça que j'aime. Tu m'avais posé une question d'une anecdote. Et en fait, je réfléchissais, je me disais, bon, sur 3 ans, des anecdotes, il y en a quelques-unes, mais. Bon, c'est un temps assez court finalement. Et en fait, je me suis dit, mais si j'avais envie de parler de quelque chose, c'est surtout des personnes qui m'ont influencé. Et en fait, il y a deux harmonicistes français qui m'influencent beaucoup aujourd'hui dans mon travail à l'harmonica. Une fois de plus, il y a Nico Wentoussin, parce que. Parce que j'adore ce qu'il fait et que je l'ai découvert vraiment au fur et à mesure de mes cours. Et à chaque fois, je disais, mais en fait, je suis vraiment à la bonne adresse et j'adore ce qu'il fait. Et après, quelqu'un de radicalement différent, c'est Michel Herblin. Ah oui. Et en fait, l'anecdote, c'est que après un an de cours, Nico me dit, il y a un gars que tu dois rencontrer. Je sens que ça peut bien se passer entre vous. C'est Michel Herblin. On fait des stages parfois ensemble à Villeneuve, sur Lot. Voilà, ce serait cool que tu le rencontres. Il dit, mais avant de le rencontrer, ce serait bien que tu aies un petit niveau pour pas perdre ton temps. Et donc, il me disait, bon, voilà, le jour où tu pourras jouer un petit morceau de Sugar Blue, tu iras voir Michel Herblin. Et je l'ai pris au mot, et pendant toutes les vacances suivantes, eh ben, on était nouveau en train de faire la voile, on fait beaucoup de voile. Et donc, j'étais 2 semaines en mer et j'ai joué Sugar Blue, Another Man Done Gone. J'ai essayé de travailler ces phrasés dans cet objectif-là, de rencontrer ce mec. Et en rentrant des vacances, je savais jouer du Sugar Blue. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé Michel Herblin et je lui ai demandé si je pouvais passer un moment avec lui pour apprendre. Et puis il m'a dit, ouais, j'organise des stages. Et puis moi, je lui ai expliqué que j'avais aussi envie de rencontrer l'homme et de rentrer dans son univers. Voilà, je l'ai un petit peu travaillé. Il a fini par accepter de me recevoir chez lui. Et j'ai passé quelques jours chez lui à la maison à travailler avec lui. Et
puis voilà, c'était un moment magique parce que j'ai découvert un univers de poésie. C'est un poète, Michel. Sa musique, c'est une poésie. Il est autant Nico et Toussaint, c'est l'énergie pure, c'est le fusible qui explose et c'est festif. Il te communique une énergie incroyable. Autant Michel, il t'emmène dans sa poésie musicale. Et ça me touchait beaucoup parce que moi, au départ, j'aime beaucoup la musique classique, j'aime bien la musique baroque, mes parents écoutaient musique, beaucoup de chants sacrés en fait. Et donc, j'avais l'impression d'arriver dans quelque chose de mélodique, de très mélodique qui me touchait. Et voilà, et un petit peu, cette rencontre avec Michel et. Il s'est passé plein de trucs extraordinaires pendant ces 4 jours avec lui. Il y avait un concert improvisé chez un des voisins. On a été voir ensemble Nico qui jouait pas très loin et qui sont allés jouer ensemble sur scène. Donc j'ai vu mes deux mentors ensemble jouer. Enfin, c'était. Ça a été vraiment des moments clés, moi, dans mon parcours d'harmoniciste qui font qu'aujourd'hui, quand je suis sur mon piano, je suis dans quelque chose de complètement différent que le blues. Je suis dans quelque chose... ouais, je pense que Michel y est pour quelque chose, ouais, dans ce qui sort là. Et voilà, ça, c'est la petite parenthèse sur mes influences. En clôture de cette émission, aurais-tu encore quelque chose à nous dire? En fait, je me rends compte, et ça c'est peut-être un message à faire passer à tous ceux qui débutent, c'est il faut avoir du culot dans la vie, il faut aller chercher les gens que tu as envie de rencontrer, il faut oser, quoi. Et quand tu oses, quand tu pousses les portes, quand tu insistes parfois un petit peu, souvent ça s'ouvre. Et puis au pire, tu t'exposes à un non. Mais c'est quoi un non? Enfin, voilà. Et en tout cas, ça fait vivre des expériences géniales d'oser aller pousser ses portes. Ouais. Merci à vous. Merci à toi, merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux projets ou CD ou autre. Voilà. Salut Uli. Salut. Chapeau l'artiste. Merci Uli pour avoir passé des grands moments avec toi au téléphone ou sinon par Messenger où t'as embêté jusqu'à minuit hier soir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je peux me le mettre? Est-ce que j'ai l'autorisation pour la photo ou ainsi de suite? Je te remercie beaucoup pour cette confiance. Maintenant, tous les projets que tu feras, voilà, tu sais qu'ici... les infos, elles passent tous les lundis. Voilà, pour tous autres artistes, musiciens, quand vous avez une info d'un CD ou même d'un stage ou autre, vous avez notre email en dessous. Voilà, et vous nous contactez et on sera là pour expliquer ou informer tout le monde. Voilà. Et puis, c'est pas, on ne va pas interviewer que... les grands harmonicistes ou vraiment tout le monde, quoi. Voilà. Pas que les harmonicistes en plus, parce qu'on a déjà fait un guitariste qui accompagne les harmonicistes. Oui, on a fait aussi l'atelier du drum pour Pierre-Franck Spreux. Pierre-Jean Spreux. Voilà, Pierre-Jean Spreux. J'ai toujours des problèmes, moi, avec les prénoms. C'est mon grand défaut. C'est pas grave. Voilà. Voilà, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez nous participer à faire un tutoriel aussi pour l'émission, vous êtes conviés. Nous sommes une grande famille, donc vous pouvez venir sur le canapé ou autrement. Vous serez toujours le bienvenu chez Coco et Titi de l'harmonica au Wawa.
Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous verrez tout ce qu'il y a en dehors du décor qu'il y a derrière. C'est assez drôle. Ça, c'est drôle. Jean-Luc, tu peux le dire, tu étais là aussi. Oui. Le fromage est bon. Tiens, qu'on finit toujours par un morceau de fromage. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le fromage, tant pis pour vous, hein, mais bon, en Auvergne, c'est le fromage. Voilà. Alors, nous allons finir l'émission comme on a commencé par un petit rip encore pour Jack Lewis. Nous allons jouer un petit morceau. Donc, il a joué Les Tendres Années de Johnny Hallyday. Donc, on a décidé de jouer ce petit morceau. Nous sommes débutants. Je sais qu'il y a eu des petits spots en disant les débutants, il faudrait qu'ils fassent attention, pas publier leurs notes. Bon, ça après, Mais moi j'en voilà, parle même pas. nous on dit la place c'est à tout le monde. Et si on est là, c'est pour apprendre, pour progresser et voir notre motivation. La relève, elle est derrière nous et devant nous, comme Uli, déjà au bout de 3 ans, fait beaucoup de choses intéressantes. Ludo, qui en peu de temps, il a appris les altérations, il fait des super trucs. Qu'on voyait que son petit garçon de 10 ans, au mois de juillet, après lui avoir acheté le petit harmonica qui n'est pas joué de Non, chez Julien il y a Danjard, toutes les notes avec toutes les notes, il a commencé à apprendre sur une octave. trois, quatre morceaux avec nous pendant nos vacances. Et qu'on voyait que à 10 ans, il commence à faire les altérations. Voilà, c'est comme on dit, la relève, elle est là. Et on espère continuer encore pendant plusieurs temps, faire découvrir tous ces artistes nouveaux, débutants. Véronique aussi, hein, Isabelle, hein, Dorothée, Kéra, j'espère aussi que tu passeras aussi dans d'autres émissions. Il y a la place pour tout le monde. Voilà. Bon, ça, je vais baisser un petit peu le son parce qu'on a laissé l'harmonica avec les micros, on n'est pas, ça saturait un petit peu, donc je vais baisser un petit peu, on nous entendra un petit peu moins, mais c'est pas grave. Alors, n'oubliez pas, dimanche 17, il y a le fil rouge avec Paul Lacé. J'ai vu aussi que Jérôme, il a fait un petit spot avec une musique, avec un harmonica. Vous verrez, il est sur sa page et aussi sur YouTube, en train de jouer une musique qui est super. Et en plus, vous avez la tablature. Il vous met aussi un backing track pour faire avec lui. C'est super sympa, lui. Merci, Jérôme. Donc, allez-y sur sa page, vous allez avoir tous les renseignements pour apprendre cette musique. Voilà. Je peux rebaisser parce que j'avais baissé, du coup tu Mais quelle te pipelette, cette nénette! Mais purée, vite fait, bandez-la! parler. Bon, je rebaisse un petit peu et après on commence. Allez, salut tout le monde! 3, 4. 4. Thank you.
ça a été. Oui. Surtout le son, en fait. Alors, on a fait... on l'a joué sur un crossover en D. Et après, je l'ai fait sur le Magi Signature de Marco en low D. Voilà. Donc... voilà, vous pouvez le jouer tranquillement. Et Titi, avec les accords, c'était en D. Moi, j'étais en accord, bah, comme c'est écrit, du coup, Ré, La et Sol. D'accord, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je cherche là? Tu veux faire quoi? Ah non, hop, ça, ça. Ce que j'avais dit, hop, qu'il commençait à neiger par chez nous. Oh là oui, on a de la neige, même chez nous ça tombe. Donc nous allons prendre vite le blouson, nous allons le fermer, nous allons manger une bonne soupe, du Saint-Nectaire bien sûr. Et on vous dit bonne soirée et nous on va continuer tranquillement à jouer. Et si vous voulez nous accompagner, vous avez la tablature, vous n'avez qu'à prendre un dé et à vous la musique. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bisous bisous. 3, 4. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bisous, bisous.